la mémoire de Maurice Audin, elle est connue encore chez les gens qui perpétuent la mémoire communiste, la mémoire également du combat anticolonialiste, et parmi les historiens et les intellectuels qui s'intéressent à ce sujet. Dans la période récente, l'attention médiatique a été réattirée sur l'affaire Audin, combat mené notamment par sa femme, Josette, combat qui, après 60 ans, a débouché sur la reconnaissance par le président de la République, pourtant membre d'un parti et d'une majorité aux convictions largement opposées à celles de Maurice Audin, de la reconnaissance de la responsabilité de l'État français et du système colonial dans la mort de ce jeune mathématicien communiste. Sa mémoire et sa figure, elle est souvent associée à celle d'Henri Alleg, très connu pour avoir publié La Torture, militant lui aussi du PCA. Et Maurice Audin et Henri Alleg sont un petit peu des symboles de cet engagement de communistes européens en faveur de l'Algérie indépendante. Ce qui est assez singulier avec la mémoire des combats communistes sur les questions coloniales, c'est que je crois que il y a un décalage très fort entre la mémoire qui en existe aujourd'hui et la place que ça pouvait tenir dans les combats communistes du XXe siècle. Parce que la mémoire qu'il en reste dans le grand public, je la trouve assez modeste en réalité. J'ai l'impression que quand on pense à la guerre d'Algérie, on pense pas forcément tout de suite en premier lieu aux communistes, c'est plutôt les porte-valises ou les mouvements plus directement liés au FLN, peut-être auxquels on pense, dans la mémoire un peu large, et puis celle qui est aussi un peu la plus médiatisée. Et puis, la place, au contraire, que ça avait dans l'histoire du Parti communiste français, elle a été beaucoup plus importante. Qu'on pense à la guerre du Rif dès les années 1920. C'est dans ce cadre-là que Thorez va aller en prison lui-même, directement, pour s'être opposé à cette guerre coloniale. Qu'on pense ensuite à la guerre d'Indochine. Là, donc, je crois qu'on est sur quelque chose d'un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on a eu une place très importante des questions coloniales dans le dispositif d'action communiste et dans son dispositif politique et théorique, hein, puisque c'est une aussi des conditions d'adhésion à l'international communiste. Bon, donc c'est un élément assez fort dans l'identité du Parti communiste français et dans ses combats. Et cette mémoire, elle est entretenue par le Parti communiste. Et en même temps, la mémoire est assez troublée, je trouve, aujourd'hui, ou assez effacée par rapport à ça. Même si, bien sûr, il reste des éléments quand même un peu importants. Mais voyez, si je prends Libérer Henri Martin, par exemple, au moment de la guerre d'Indochine, eh bien, Henri Martin, c'est vraiment la figure qu'on met en avant. Et dans tout le pays, c'est écrit Libérer Henri Martin. Mais aujourd'hui, vous voyez, même ce nom d'Henri Martin, il n'évoque plus beaucoup de choses. Donc là, je crois qu'on est face à un paradoxe sur la question coloniale, grande action, enfin action importante des communistes en cette matière-là, et le souvenir en est un petit peu troublé. Alors pourquoi? Pour différentes raisons, sans doute aussi parce que la guerre d'Algérie a été un moment de concurrence et de désaccord, disons, sur la manière d'envisager le combat anticolonial en France. Le Parti communiste français visant surtout le rassemblement le plus large des Français par rapport à ce combat, d'autres considérant qu'il fallait faire des actions plus radicales. Et je crois que ça a troublé un peu, disons, la mémoire du communisme français anticolonial. Lorsque la SFIO donc se réunit à la fin de l'année 1920 pour le congrès de Tours, c'est donc cette année le centième anniversaire de cet événement, ils vont décider de rejoindre l'Internationale communiste, donc de devenir la section française de l'Internationale communiste, et dans ce cadre-là, la question coloniale ne joue pas un rôle déterminant. Cependant, parmi les délégués, il y a des socialistes en train de devenir communistes qui sont particulièrement engagés et investis dans la lutte anticoloniale et qui vont avoir un rôle important dans l'évolution politique du Parti communiste sur cette question-là, évolution rapide, avec une pression forte de l'Internationale communiste, il faut bien le dire. Et parmi donc ces délégués, il y a Ho Chi Minh. Quand on entre dans le siège du Parti communiste, eh bien, on est confronté à cette image de Ho Chi Minh et du Congrès de Tours qui indique cette espèce d'ancrage anticolonial. Donc il y a une mémoire anticoloniale qui est maintenue, du moins, par le Parti communiste. L'histoire des relations entre les communistes et les indépendantistes algériens, elle remonte aux origines et à la création des partis communistes. Des groupes socialistes existent en Algérie depuis la fin du XIXe siècle,
Ce sont des petits groupements un peu éparpillés qui se réunissent en 1907 au sein de la section internationale ouvrière, la SFIO. En 1919, la SFIO compte à peu près 1000 adhérents. Ils ont des succès électoraux en 1919. Et on trouve parmi les militants de petits fonctionnaires, des petits ouvriers, tous européens. Donc on a des figures comme par exemple Maxime Guillon, André Julien. Donc Maxime Guillon est instituteur, André Julien est historien. Ce qu'il faut avoir en tête quand on étudie le communisme en Algérie ou le socialisme, c'est le caractère vraiment spécifique du territoire colonial dans lequel ces militants évoluent. Après la conquête, l'administration française a institutionnalisé un rapport de domination pour que les Européens, moins nombreux que la population qu'on appelait indigène, gardent le contrôle. Les Algériens étaient énormément dans les campagnes, les Européens dans les villes essentiellement. Les Algériens ont donc un statut particulier qui fait d'eux des Français, mais sans la citoyenneté qui est normalement attachée et qui fait qu'ils n'ont aucune existence réelle politique. Ils sont soumis au code de l'indigénat. Le code de l'indigénat, c'est une série d'amendes ou de peines de prison qui peuvent être décidées arbitrairement par le gouverneur général et qui les rend donc extrêmement vulnérables. Face à cette situation, les socialistes, ils ont intégré la pensée qui était la pensée dominante en matière coloniale à l'époque, c'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause la présence française en Algérie. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose auquel finalement les gens ne réfléchissent même pas tellement, c'est une réalité, c'est un fait, et ce n'est pas remis en cause. Et les socialistes, s'ils militent pour un colonialisme à visage plus humain, ils ne remettent pas en cause la présence française dans la colonie. Les socialistes et la social-démocratie n'ont jamais remis en cause le système colonial. Les historiens parlent d'une indifférence du mouvement ouvrier français à l'égard du fait colonial, et en dehors de quelques figures qui se sont approchées d'une dénonciation du colonialisme, on pense notamment à Jean Jaurès, le mouvement socialiste et le mouvement ouvrier s'en est tenu à une dénonciation des violences du système, mais non pas du système lui-même. Le prochain congrès du Parti Socialiste préoccupe de plus en plus les membres, les amis ou les adversaires du parti. Mais la question que les uns et les autres se posent n'est plus la question qu'ils se posaient voilà 2 mois à peine. Alors, on se demandait, l'adhésion à la Troisième Internationale sera-t-elle votée ? Aujourd'hui, on dit, quelle majorité obtiendront les partisans de l'adhésion ? Cette dernière ne faisant plus de doute. Les résultats qui, journellement, arrivent des fédérations ou des sections de province prouve que le mouvement est irrésistible qui pousse le parti vers la Troisième Internationale. Lorsque le Congrès se sera prononcé, lorsque notre parti sera délibérément entré dans cette famille de plus en plus grande qu'est la Troisième, la vraie Internationale, quitteront-ils le parti ceux de nos camarades qui nous menacent d'une scission ? Libre à eux. Leur menace ne saurait affaiblir l'enthousiasme qui pousse les masses populaires vers la Troisième Internationale ouvrière et paysanne, vers l'Internationale communiste. L'internationale communiste, qu'est-ce que c'est ? L'internationale communiste, elle est née de la scission de l'internationale ouvrière en 1919. C'est, comme le dit Serge Volikov, un parti mondial de la révolution qui doit donc regrouper les partis communistes de différents pays pour prendre le pouvoir et mener donc à la révolution. Ces partis communistes sont eux-mêmes issus majoritairement de scissions des partis socialistes de la Deuxième Internationale. Au congrès de Tours, en décembre 1920, les socialistes algériens se rallient majoritairement à cette Troisième Internationale. Cette scission est une véritable catastrophe pour la SFIO, qui n'a presque plus, qui garde très peu de militants, qui perd son journal, La Lutte Sociale, qui passe aux communistes. Et de même, les dirigeants du Parti Socialiste passent majoritairement au Parti Communiste et deviennent donc des cadres du nouveau parti. Ainsi, au début des années 20, dans la colonie, il y a 1 millier de militants communistes, tous européens. Entre les Européens et ceux qu'on appelait les indigènes dans la colonie, l'historien René Galissot utilise une expression qui est très très pertinente, qu'il appelle ça la barrière coloniale. Voilà, c'est quelque chose qui veut dire que, en fait,
tout est subordonné à la situation coloniale dans la colonie. La barrière coloniale se superpose à tout et elle prend le pas même sur la lutte des classes, en fait, puisque en fait un ouvrier algérien ne sera jamais au même niveau qu'un ouvrier français parce qu'ils n'ont pas les mêmes droits, parce qu'ils ne sont pas jugés par les mêmes cours, parce qu'ils ont pas, voilà, ils sont pas soumis à la même répression, et ce qui marque vraiment une différence entre les deux populations dans la colonie, même quand ils sont amenés à se côtoyer, parce que ça existe quand même ces zones de contact dans le temps long de la colonisation. Tout n'a pas été qu'affrontement, même si cette colonie est toujours divisée, même si les deux populations ne sont pas du tout sur un pied d'égalité. Malgré ça, à cette époque, lycée est surtout préoccupé donc par la marche vers la révolution mondiale, et elle charge le PCF de la politique coloniale pour l'Algérie. Mais le parti va surtout s'occuper d'organiser la main-d'œuvre coloniale en métropole et va se désintéresser relativement de ce qui se passe dans la colonie, ce qui laisse aux communistes en Algérie une certaine autonomie et qui leur permet de faire un petit peu ce qu'ils veulent. Pour adhérer à l'Internationale communiste, les partis communistes doivent répondre aux 21 conditions d'adhésion qui doivent structurer leur action et leur imposer une ligne politique claire. Les socialistes en Algérie, ils ont adhéré en fait au parti qui leur semblait être le parti le plus à gauche, mais ils sont encore loin de l'idée de la lutte pour l'indépendance en fait. C'est une idée tellement nouvelle qu'elle leur est difficilement compréhensible, et en plus c'est très difficile pour eux d'imaginer l'indépendance de la terre sur laquelle ils vivent. La plupart des délégués avaient voté en disant oui, on y va, mais on ne fera pas ce qui est réclamé. Par exemple, en Afrique du Nord, j'ai été délégué pour voter la 8e condition qui donnait l'appui à des mouvements d'indépendance. Or, pas d'un des délégués socialistes, comme pas d'un des délégués communistes, n'était partisan de cette indépendance, mais il disait on se débrouillera une fois que ça sera voté. Dans ces 21 conditions d'adhésion, l'Internationale, dans la 8e notamment, invoque le devoir pour les partis communistes de soutenir, non dans les paroles, mais dans les faits, tout mouvement d'émancipation des peuples colonisés. C'est donc le signal de la révolte anti-impérialiste, et c'est une manière pour les communistes de se démarquer de l'héritage des socialistes et de la social-démocratie. La 8e condition demande expressément que les communistes militent pour l'indépendance des colonies. Au vu des positions des socialistes d'avant la scission, on peut s'étonner de leur adhésion à la 3e internationale. En fait, ces communistes, ils ont, comme beaucoup de communistes français, sous-estimé l'importance de ces 21 conditions. Ils ont cru pouvoir adhérer à l'internationale tout en gardant des distances vis-à-vis de ces conditions, alors que l'internationale communiste, à ce moment-là, elle se prépare pour la révolution mondiale, et donc elle demande à ses sections une discipline parfaite. Blum a pris les exigences les unes après les autres. Il leur a dit non, vous n'avez pas à ruser avec cette situation. Vous vous engagez à faire cela. Vous vous engagez à faire de la clandestinité de cette façon. Vous vous engagez de telle et telle chose. Et alors il y avait véritablement un sentiment presque de révolte chez certains d'être obligés de voir une vérité qu'ils ne voulaient pas voir. Et l'autre les contraignait, phrase après phrase, à dire « mais c'est ça, non, c'est votre devoir ». Alors quand on se rappelle ce que c'était, n'est-ce pas, on voyait simplement des gens tendus, une sorte de viol de la personnalité, n'est-ce pas, l'obligation d'être ce qu'ils devaient être et les forcer à être comme cela. Pour reprendre les mots d'Alain Ruscio, l'historien Alain Ruscio, ce fut un parcours long et chaotique pour les premiers communistes d'accepter et de mettre en pratique cette décision de l'Internationale communiste et de soutenir l'indépendance et le combat d'émancipation du peuple algérien. Plusieurs épisodes témoignent de la difficulté des communistes algériens à adhérer à la ligne de la 3e Internationale. En 1920, André Julien mène une enquête d'opinion confidentielle auprès de ses sections communistes. Et ressort de cette enquête l'idée qu'il faut lutter contre les nationalistes et que les Algériens n'ont pas la maturité nécessaire pour militer à la construction d'un État communiste et qu'il faut lutter pour l'amélioration du colonialisme mais sans remettre en cause la présence française, donc finalement les idées des socialistes d'avant la scission. Au même moment, la section Sidi Bel Abbès, qui est un centre important du communisme en Algérie, qui est dirigée par Maxime Guillon, adopte une motion
qui réaffirme que l'indépendance n'est pas la priorité en Algérie pour les communistes, qui affirme aussi que ce sont bien les communistes en Algérie qui connaissent la colonie et qui savent la politique qu'il faut y mener, et que l'ICE doit s'en remettre à eux quant à la politique algérienne. Finalement, ce qui est surtout porté par ces communistes à ce moment-là, c'est l'idée d'assimilation, mais pas d'indépendance. L'année suivante, en 1922, a lieu un congrès interfédéral d'Afrique du Nord qui adopte une motion qui est très très proche de la motion de Sidi Bel Abbès, et Maxime Guillon est nommé secrétaire interfédéral d'Algérie, ce qui apparaît également comme une approbation de la fameuse motion de Sidi Bel Abbès. Néanmoins, il faut faire attention à l'effet de source, puisque finalement il y a eu beaucoup de publicité faite autour de cette motion, ce qui a eu tendance à cacher le fait qu'il existait malgré tout à cette époque des groupes communistes, certes minoritaires, mais qui eux ne sont pas effrayés par le mot d'indépendance. L'enquête d'André Julien a tendance aussi à les masquer, parce que c'est une enquête qu'il a menée essentiellement auprès de ses proches. Quant à la nomination de Maxime Guillon en tant que secrétaire interfédéral, il faut aussi avoir à l'esprit ce que représentait Maxime Guillon à l'époque. C'était une figure du socialisme, c'était quelqu'un de connu, quelqu'un auquel finalement les communistes se sont ralliés par confiance dans le personnage, par habitude, voilà, plus que par approbation vraiment à cette motion qui n'était pas si connue que ça à l'époque. L'Algérie, la question algérienne, n'est absolument pas présente au moment du congrès de Tours, du congrès de fondation du Parti communiste français. En revanche, progressivement, vont se mettre en place des structures, une commission coloniale au sein du parti, une union intercoloniale pour rassembler des Malgaches, des Indochinois, des Algériens, des Tunisiens au sein du Parti communiste français pour mener une lutte anticoloniale. Alors bien évidemment, cette lutte anticoloniale ne va pas être acceptée par bon nombre de communistes algériens, issus pour la plupart des rangs de la SFIO, qui vont tout simplement refuser de mettre en pratique cette fameuse huitième condition d'adhésion à l'international, ce qui va donner lieu à un certain nombre de dissensions dans la fédération algérienne du Parti communiste, qui va provoquer des tensions, des conflits, des débats, des exclusions, et un travail progressif qui amènera finalement les communistes d'Algérie vers une prise en compte de la dimension indépendantiste, anticoloniale, du combat à mener sur place. Au début des années 20, l'international communiste réaffirme bien que les colonies sont une des bases du capitalisme et que leur perte serait un coup terrible pour les pays capitalistes. Donc face au comportement de ces communistes algériens, l'ICE va procéder au redressement de ces sections par l'intermédiaire du PCF. Lors de son quatrième congrès en 1922, elle se penche sur la question française et dénonce ce qu'elle appelle la mentalité esclavagiste des communistes d'Algérie. Elle pousse donc le PCF à exiger une nouvelle orientation. Les horreurs de Barberousse en Algérie. Exigeons la libération de Marouf. L'emprisonnement arbitraire de Marouf dans cette vieille forteresse turque de Barberousse nous oblige à revenir sur le régime abominable qui sévit dans les prisons coloniales. Aux colonies, les indigènes ne connaissent pas le régime politique et l'administration se plaît à soumettre les emprisonnés politiques aux mêmes conditions cellulaires que les escarpes, conditions qui sont souvent plus horribles encore. Il y a plus de 2 mois que notre camarade Marouf a été arrêté pour le seul motif d'avoir milité en France dans les organisations révolutionnaires. Et alors que la répression métropolitaine n'avait pu l'atteindre, le colonialisme le frappe sans qu'on puisse relever contre lui le moindre délit. Le délit ? Mais on est dans un pays conquis où les formes de la justice bourgeoise n'existent même pas. C'est le terrifiant code de l'indigénat qui règne en maître. Marouf est au secret, son avocat peut difficilement communiquer avec lui. Tous ceux qui y sont entrés en gardent une vision d'horreur. Barberousse regorge de prisonniers. Il y a la multitude des malheureux arabes qu'on emprisonne sans raison. Décrire toute cette misère humaine serait impossible. À côté du bandit couche le paysan, qui n'a pu s'acquitter de ses impôts. À côté du mendiant couvert de teigne, du syphilitique ou du tuberculeux est étendu le vieillard aveugle. L'enfant à qui la faim fit voler une grappe de raisin dans les vignobles du colon multimillionnaire. À côté du souteneur respecté et favorisé par le personnel de la prison, on voit l'indigène qui a osé s'insurger contre le...
Le début des années 1920 est marqué par la volonté de l'Internationale communiste de mettre en place des organisations auxiliaires des partis communistes afin de mieux pénétrer les masses et la société, afin d'y exercer son influence dans les différents pans de la société. Donc le communautaire met en place des organisations à destination de la jeunesse, des femmes, des paysans, des sportifs, des intellectuels, etc. Mais aussi des organisations dédiées à la solidarité, comme le Secours Rouge International, qui consacre son activité à la lutte contre la répression très virulente dans les années 20, et dont l'organe central en France, la Défense, répercute ses activités sur le territoire métropolitain et dans les colonies. Le Secours Rouge est une organisation internationale qui est mise sur pied à l'occasion du 4e congrès de l'Internationale communiste à la fin de l'année 1922. Donc, il est constitué en sections nationales, et la section française, elle, voit le jour un an plus tard, en 1923. Le Secours Rouge est chargé de la lutte contre la répression, et son activité principale consiste à organiser le soutien matériel, moral, judiciaire et politique avec les militants révolutionnaires, quelle que soit leur tendance politique, qui sont victimes de la répression de classe, de la terreur blanche et du fascisme. L'action du Secours Rouge porte sur la répression politique, mais sous ses diverses dimensions, sous toutes ses déclinaisons. La répression dans l'armée, la répression policière, patronale, judiciaire, et bien entendu la répression coloniale. Comme d'ailleurs pour le Parti communiste à cette époque, l'action, la première tâche du Secours Rouge consiste tout d'abord à soutenir et à organiser les travailleurs coloniaux qui travaillent et qui résident en métropole, ce qui passe notamment par l'organisation de la lutte contre les expulsions de ces travailleurs coloniaux lorsqu'ils sont inculpés à cause de leur engagement militant, par exemple après des grèves, ou tout simplement parce qu'ils sont syndiqués à la CGTU, qui est le syndicat communiste de l'époque. D'autre part, l'action du Secours Rouge consiste à informer, par le biais de son journal La Défense, par le biais de l'édition de brochures et par son action, informer et dénoncer la réalité de l'exploitation coloniale et de la terreur qui règne dans les colonies vis-à-vis des mouvements révolutionnaires et indépendantistes. Le Secours Rouge est constitué en Algérie en 1925, mais jusqu'au tournant des années 30, il n'y a pas de véritable développement de l'organisation. C'est plus sur le papier, il existe une section du Secours Rouge en Algérie, mais sans qu'il y ait une véritable structuration localement. Le torchon brûle dans la SFIC. La direction du Parti communiste, aussi bien à Tunis qu'à Alger, lance des mots d'ordre omnibus, comme l'indépendance des colonies ou la terre aux paysans. Bluff, démagogie et surenchère que de lancer de pareils mots d'ordre. Un nouveau congrès interfédéral se réunit en Algérie en 1923 et une motion est adoptée, une motion qui demande qu'on accélère le recrutement parmi la population indigène. Une motion qui demande également qu'on lutte contre les préjugés coloniaux au sein des fédérations d'Algérie. C'est la commission coloniale du PCF qui est chargée de faire appliquer la politique coloniale dans la colonie. Donc cela passe par plusieurs choses, par l'envoi d'émissaires régulièrement en Algérie, par l'envoi d'un matériel de propagande en langue française mais également en langue arabe pour tenter de toucher la population algérienne. Mais la commission coloniale elle-même se plaint du manque de moyens dont elle dispose et du peu d'intérêt du PCF pour la question algérienne. Elle insiste sur la nécessité de mettre en place un vrai programme de revendication et surtout de mettre fin à l'existence de ces sections qui sont exclusivement composées d'Européens. Tout cela provoque une crise au sein du Parti communiste en Algérie. Maxime Guillon quitte le parti et retourne à la CFIO. Il est suivi par beaucoup d'autres militants et globalement, en 1924, la moitié des adhérents de 1920 ont déserté et sont retournés à la CFIO. L'engagement des Algériens à cette époque passe beaucoup par le syndicalisme parce que c'est plus simple, les ouvriers sont plus au contact les uns des autres. Néanmoins, à cette époque, le recrutement de la population dite indigène s'accélère et les éléments hostiles à la ligne de lycée ayant quitté le parti, le PC peut radicaliser son action. Très vite, après l'échec des tentatives révolutionnaires qui jaillissent en Europe dans le sillage de la révolution d'octobre en Russie, une vague contre-révolutionnaire déferle sur le continent au début des années 1920, avec une vague intense de répression qui touche les mouvements communistes dans de nombreux pays, ce que les communistes appellent la terreur blanche, et tandis que l'Internationale communiste réoriente une partie de ses activités dans la lutte contre l'impérialisme et donc dans le développement de ses activités dans les colonies,
La répression sur ces territoires s'accélère, notamment au moment de la guerre du Rif à partir de 1925. Vous n'auriez certes pas cru, camarades ouvriers, employés, paysans, que le maréchal Pétain, avec ses 100 bataillons d'infanterie, ses tanks, ses avions, ses canons de 155, de 75, de 65, etc., sans compter ceux de 340, des cuirassiers qui bombardent les côtes du Rif, étaient là-bas, non pour conquérir, mais pour pacifier le Maroc. C'est du moins M. Panlevé qui l'affirmait au journaliste parisien à son retour d'Alsace et de Lorraine, où il avait, entre autres, cérémonie présidé une revue militaire. En avril 1925, Abdelkrim empiète sur le territoire français du Maroc. Le Maroc est alors sous double domination française et espagnole. Et donc la France s'engage dans le combat qui opposait déjà les Rifains aux Espagnols pour défendre son territoire colonial. En métropole, le PCF et la CGTU s'engagent contre cette guerre du Rif. Ils portent des mots d'ordre anti-impérialistes, de lutte contre la guerre, mais aussi de lutte contre la présence française en Afrique du Nord, ce qui est une nouveauté. Et en Algérie, le parti lui-même s'engage dans une lutte contre la guerre du Rif et porte des mots d'ordre tels que fraternisation des soldats avec les Rifains. Et en Algérie, comme en métropole, la CGTU et la jeunesse communiste se mobilisent tout particulièrement. Durant cette campagne contre la guerre du Rif, la situation est tout de même plus difficile dans la colonie qu'en métropole, à cause de la répression qui est beaucoup plus forte, puisqu'en fait les colons sont terrorisés par ce qu'ils voient comme une révolte indigène à leur porte. Et donc la répression touche durement les communistes, il y a de nombreuses perquisitions, la lutte sociale est saisie plusieurs fois, et du fait du régime de l'indigénat, c'est encore pire pour les militants communistes qui viennent de la population indigène. En février 1926, la résolution du congrès de la région algérienne adopte une motion à courte majorité, mais l'adopte tout de même, une motion qui porte le mot d'ordre d'indépendance de l'Algérie. Donc c'est assez crucial ce qui se passe à ce moment-là, puisque le parti communiste en Algérie devient la première organisation à revendiquer l'indépendance de la colonie. Il y a d'ailleurs à cette période un anticommunisme virulent qui domine la vie politique en France et dans les colonies, qui est symbolisé par le discours en 1927 à Constantine du ministre des colonies Albert Sarraut, qui désigne alors clairement son adversaire avec la phrase célèbre « Le communisme, voilà l'ennemi ». La radicalisation suite à la guerre du Rif mène à une deuxième vague d'adhérents à quitter le parti. Et au début des années 30, ils ne sont plus qu'une petite centaine et n'ont quasiment plus aucune influence dans la colonie, malgré les tentatives du PCF pour arabiser et redresser le mouvement. Comme pour le Parti communiste, le Secours rouge, à la fin des années 20, fait face à de multiples difficultés, à la fois internes, dues à sa ligne politique de classe contre classe, et externe lié à la répression à laquelle doit faire face le mouvement communiste à cette période, ce qui entraîne une diminution assez importante des effectifs, tant du Parti communiste que du Secours rouge, et on a à la fois un affaiblissement de l'organisation, qui a une tendance à se replier sur elle-même, mais qui en même temps a une sorte de suractivité pour justement exister et montrer que c'est le Parti communiste face à tout le monde. Donc il y a beaucoup d'activités, mais une organisation qui est extrêmement réduite, avec des moyens à la baisse, etc. L'action du Secours rouge en direction des colonies se développe surtout au tournant des années 1930, et elle s'illustre par exemple par l'organisation en 1931 de diverses initiatives contre l'exposition coloniale qui se tient à Paris, et qui fait l'objet d'ailleurs d'une contre-exposition anticoloniale organisée par la Ligue contre l'impérialisme. La contre-exposition coloniale organisée en 1931 par la Ligue contre l'impérialisme est d'ailleurs organisée dans les baraquements en bois situés avenue Mathurin-Moreau, à côté du siège du SRI, situé sur ce qui est aujourd'hui la place du colonel Fabien. Pour l'anecdote, durant cette exposition coloniale, des militants communistes mènent une action qui va faire enrager les autorités à l'époque, puisque des militants communistes étaient parvenus à s'infiltrer dans l'exposition coloniale pour y distribuer des faux guides de l'exposition coloniale, à l'intérieur duquel ils avaient inséré des tracts et de la propagande contre le colonialisme et l'impérialisme. Et c'est en ce lieu, composé à l'époque de baraquements en bois, qui accueillait également des locaux de la CGTU et de la Ligue contre l'impérialisme, c'est d'ici que se sont engagés un certain nombre des volontaires des Brigades internationales en 1936.
Mais le Secours Rouge organise aussi des campagnes spécifiques, par exemple en 1930, à l'occasion du centenaire de la colonisation en Algérie. Des campagnes sont menées en fonction de l'actualité de la répression dans les diverses colonies, donc ça peut être, on a parlé de l'Algérie, mais c'est aussi les autres colonies d'Afrique du Nord, le Maroc, la Tunisie, la Syrie, le Liban, les Antilles, etc. Et l'intensité de ces campagnes est plus ou moins grande en fonction du degré de répression dans ces territoires. On peut penser par exemple à Madagascar, où la section du Secours Rouge est carrément dissoute par les autorités, ou alors penser à l'Indochine, où la répression est sans équivoque la plus importante parmi toutes les colonies, puisque au début des années 30, on dénombre plusieurs dizaines de militants qui sont condamnés à mort, et le Secours Rouge estime à plus de 10 000 le nombre de prisonniers politiques, ce qui le conduit d'ailleurs à organiser en janvier 1934 une délégation qui se rend sur le territoire d'Indochine pour enquêter sur les exactions et la répression à l'œuvre. Dans cette période-là, on est très loin des formes d'action de type humanitaire qui pourront émerger plus tard dans l'activité du Secours Rouge, qui reste là au début des années 30. Il faut rappeler qu'on est dans la période classe contre classe du Parti communiste et de l'Internationale communiste, et l'activité du Secours Rouge s'intègre pleinement dans cette ligne politique. C'est pour ça qu'elle repose exclusivement sur la défense politique des militants qui sont victimes de la répression. Le Secours Rouge fait tout un travail d'information pour montrer les réalités de cette exploitation coloniale, des conditions de vie misérables dans lesquelles les travailleurs vivent dans les colonies, etc. Dénoncer également la terreur qui est à l'œuvre contre les militants, mais son action sur le terrain consiste principalement à organiser le soutien aux militants politiques, que ce soit des militants révolutionnaires communistes ou des militants indépendantistes, qui sont victimes de la répression. Et donc son action consiste vraiment à assister juridiquement ces personnes, à participer à une forme de solidarité matérielle avec leurs familles, etc. Mais ça reste ancré dans une lutte extrêmement politique. Les avocats se rendent dans les colonies pour assister les inculpés lors de leur procès, mais ils sont aussi utilisés par le Secours Rouge pour des tâches militantes, du fait de leur statut qui leur permet de se déplacer plus facilement dans les colonies. Les événements de février 1934 et la menace fasciste qui est perçue à ce moment-là entraînent un tournant unitaire et antifasciste du Parti communiste français, qui est avalisé en 1935 lors du 7e congrès de l'Internationale communiste et qui débouche sur la formation du Front populaire et donc de cette grande alliance avec les autres forces de gauche et en premier lieu avec le Parti socialiste et les radicaux. À Moscou, on se met à craindre un isolement de l'URSS face à la montée en puissance de l'Allemagne nazie, et pendant quelques années, l'exemple du PCF va être valorisé par l'Internationale communiste. Le fascisme se déploie également en Algérie dans les années 30, c'est une période de grande tension sociale, et face à cela, le PC va également se rapprocher de la SFIO. Donc ça va donner lieu à des manifestations communes, des meetings communs, la signature d'un pacte d'unité d'action et la création d'une ligue antifasciste. Mais ce rapprochement avec des organisations réformistes va soulever des problématiques propres à l'Algérie, puisque cela va nécessiter une politique moins radicale en matière coloniale, et surtout l'anti-impérialisme va reculer face à la lutte pour l'antifascisme. Pour les communistes français, en effet, à ce moment-là, en Algérie, la montée du fascisme fait que finalement l'intérêt des Algériens à cette époque est dans l'union avec la France. Pourtant, au début des années 30, la commission coloniale avait connu une certaine radicalité dans sa politique, notamment grâce à la nomination d'André Ferrat à sa tête, qui connaît bien l'Algérie. En 1935, un émissaire, Jean Chintron, qui est connu aussi sous le pseudonyme de Bartel, est envoyé en Algérie pour réorganiser la région. Chintron, c'est un militant discipliné qui arrive en Algérie, qui a été en Indochine, mais c'est sa seule expérience coloniale. Il a été un militant du Secours Rouge International à Paris. Avant de partir en Algérie, il est formé à la fois par André Ferrat et la commission coloniale qui porte donc un mot d'ordre anti-impérialiste, mais il rencontre régulièrement également Maurice Thorez qui lui porte la ligne antifasciste. Donc en fait, quand il arrive en Algérie, pendant un temps, il va essayer de mener ces deux politiques de front. Alors, il est porteur d'un texte qui a été rédigé par la commission coloniale, mais en fait essentiellement par André Ferrat.
Un texte qui sera connu sous le nom de la circulaire Bartel et daté du 17 septembre 1935. C'est un texte qui déclare qu'en Algérie, la question du Front populaire ne se pose pas de la même façon qu'en métropole, et qu'en Algérie, l'anti-impérialisme doit prendre le pas sur l'antifascisme, que c'est ce qui est important, et que la nation française n'est pas la nation du peuple d'Algérie, que c'est une nation oppresseuse qui maintient en esclavage la population algérienne. Ce texte est un dernier témoin de la politique anti-impérialiste qui va se faire submerger ensuite par la politique antifasciste. Et dès début 1935, André Ferrat n'est pas reconduit au bureau politique du PCF. Il est exclu en juin 1935 du PCF. La circulaire Bartel est alors oubliée. Vraiment, il y a un basculement là en 1935-1936. C'est la ligne antifasciste voulue par la direction du PCF qui prend le dessus. Et donc Jean Chaintron, qui avait pourtant porté la circulaire Bartel, qui elle mettait l'anti-impérialisme avant, va ensuite se consacrer vraiment à la construction du Front populaire en Algérie. Et c'est cette ligne qui prend vraiment le pas sur l'anti-impérialisme à ce moment-là. Le Secours Rouge décide en 1936 de changer de nom. Il devient, alors ça se fait en deux étapes, il devient d'abord le Secours Rouge de France en mars 36, puis au mois de novembre, le Secours Populaire de France et des Colonies. Le choix de ce nom n'est pas anodin, puisque les références politiques à la couleur rouge et au caractère international disparaissent au profit de la France et des colonies, qui symbolisent donc l'ancrage national et territorial du Secours Populaire, à l'image du Parti communiste à ce moment-là. Le Secours Populaire élargit également son champ d'intervention, puisqu'il ne s'agit plus seulement maintenant de défendre les victimes de la répression de classe et du fascisme, mais viennent s'ajouter également la défense et le soutien des victimes d'injustices sociales ou de calamités naturelles. Et d'ailleurs, le Secours Populaire reprend ici des prérogatives qui étaient celles du Secours Ouvrier International, donc une autre organisation mise sur pied par le Comintern, et qui était également dédiée à la solidarité. Sur la question des colonies, ce changement de nom, donc Secours Populaire de France et des Colonies, illustre aussi le changement de la position du Parti communiste à ce moment-là vis-à-vis des colonies, puisque désormais sont mis en avant la ligne politique de Front Populaire antifasciste national qui prend le pas sur la logique anticolonialiste et indépendantiste qui pouvait être à l'œuvre précédemment. Aux législatives de 1936, le Front populaire obtient de bons résultats en Algérie. Et dans la colonie, le mouvement du Front populaire se double d'une organisation qui s'appelle le Congrès musulman, qui a été créé pour répondre aux besoins spécifiques de la population dite indigène et qui regroupe des organisations musulmanes réformistes. La participation des communistes à ce mouvement les pousse là encore à renoncer au mot d'ordre d'indépendance. La charte du Congrès musulman demande des réformes sociales et politiques pour les Algériens, mais elle est clairement de nature réformiste et ne se prononce pas pour l'indépendance de l'Algérie. Autre élément clé de l'année 1936, c'est la constitution du Parti communiste algérien autonome, donc la transformation des fédérations algériennes en Parti communiste autonome, en PCA, Parti communiste algérien. C'est une demande de lycée, en fait, depuis la fin des années 20, le début des années 30, qui espère ainsi accélérer le recrutement de la population indigène et faire de ce parti un parti davantage musulman qu'européen. En octobre 1936 se tient donc le congrès de formation du Parti communiste algérien qui s'organise en trois régions, donc celle d'Alger, d'Oran et de Constantine. Donc, le manifeste du PCA affirme que le nouveau parti s'inspirera des grandes traditions républicaines et révolutionnaires françaises, mais aussi de la culture algérienne, et s'inscrira dans la ligne du Front populaire. Au moment du Front populaire, le Parti communiste fait beaucoup d'adhésions, et c'est vrai aussi en Algérie, et c'est vrai parmi la population musulmane, qui parce que même si le parti ne milite plus ouvertement, ne milite plus pour l'indépendance, milite pour des réformes pour la population algérienne, elle porte quand même des idées d'amélioration des conditions de vie des Algériens, par exemple aussi tout un programme agraire pour améliorer la situation des paysans algériens. Il y a tout un effort fait par le PCF pour former des cadres algériens, pour les mener à des postes comme ceux de secrétaire du parti, pour équilibrer. Au moment de la constitution du Parti communiste algérien, en 1936,
au secrétariat, il y a autant de cadres algériens, donc de la population qu'on appelait indigène, que de cadres européens. Il y a vraiment un effort qui est fait pour équilibrer le parti à ce moment-là. Et effectivement, il y a une proportion bien plus importante d'Algériens dans les années 30 dans le parti communiste que dans les années 20. Ça n'a effectivement rien à voir, puisqu'on parle d'un parti qui était à la base exclusivement composé d'Européens. Mais les communistes algériens, ils sont démunis en fait face aux Algériens parce qu'ils n'occupent pas les mêmes espaces, ils ne parlent pas la même langue, ils ne sont pas habitués à se côtoyer et ils ont des préjugés qui les empêchent de penser que cette population indigène peut se politiser et s'organiser. Et puis le Parti communiste doit faire face à des difficultés concrètes. Par exemple, les réunions en langue arabe sont interdites dans la colonie. Très concrètement, il y a aussi le problème de l'analphabétisme au sein de la population dite indigène, ce qui rend la propagande écrite inutile, même si de plus en plus, au fil du temps, la lutte sociale va se mettre à éditer des pages en arabe. Et le matériel de propagande lui-même va être édité en langue arabe et en langue française. Finalement, la politisation des Algériens pendant cette période, elle passera beaucoup par le syndicalisme. Et cette mobilisation, elle va transgresser de plus en plus la fameuse barrière coloniale, mais également mettre les communistes à l'égard du reste de la population européenne de métropole. La période du Front populaire est marquée également par une politisation de la population algérienne. Malgré sa nature réformiste, le Congrès musulman va entraîner sur la scène politique une partie de la population indigène qui va adopter des habitudes, des gestes et des pratiques militantes. Par exemple, on a des photographies de manifestations du Front populaire où des femmes musulmanes voilées défilent en levant le poing. De même, Jean Chintron, dans son autobiographie, évoquera beaucoup des meetings, par exemple un meeting en 1935, où parmi les 3000 auditeurs, il note qu'il y a énormément de gens qui portent des djellabas, ce qui note une grande participation de la population dite indigène à ce congrès. Il évoque également, Jean Chintron, dans son autobiographie, une fête de la lutte sociale qui est organisée sur le modèle de la fête de l'humanité. Et là, c'est pareil, il notera la présence dans la foule de nombreux chapeaux, canotiers, mais aussi de beaucoup de djellabas, de chéchias, et donc la présence de la population musulmane à cette fête. C'est le syndicalisme, beaucoup, qui les emmène au parti. Énormément. Il y a quelques figures comme Ben Ali Boukor ou Djali qui sont en fait des figures du PCA, qui sont issues de la population qu'on appelait indigène, mais qui sont quand même des gens qui sont passés par l'école française, qui sont des gens qui ont quand même un certain bagage et voilà. Néanmoins, on se rend vite compte que cette autonomisation du PCA, elle reste relative. En fait, la ligne, elle est toujours dictée par le PCF à Paris. Des émissaires sont toujours envoyés régulièrement par le Parti communiste français, et d'ailleurs un membre de la commission coloniale fera partie régulièrement de la direction du PCA, le premier étant Jean Chintron, qui au moment du congrès est nommé secrétaire du PCA. Alors que le Parti communiste en Algérie devient indépendant et se détache du Parti communiste français, la section algérienne du Secours populaire reste partie intégrante du Secours populaire de France et des colonies, même si elle bénéficie d'une autonomie beaucoup plus importante que par le passé. À partir de 1934 et du début du tournant du Front populaire, le Secours rouge puis le Secours populaire connaît un développement assez important qui se traduit notamment par l'entrée relativement massive d'Algériens dans la section algérienne du Secours rouge et du Secours populaire. Et alors que jusqu'à présent la section algérienne était dirigée et conduite par des cadres issus de la métropole, le tournant du Front populaire voit l'émergence de nouveaux cadres algériens, à l'image de Larbi Bouali qui devient secrétaire du Secours populaire en Algérie à partir de 1937 et qui représente d'ailleurs la délégation algérienne lors du congrès du Secours populaire de France et des colonies en 1938. Dans ce nouveau contexte de Front populaire, la section algérienne du Secours populaire est en très fort développement, puisque on comptabilise jusqu'à 7000 adhérents revendiqués en 1938, avec des sections qui se multiplient dans l'ensemble de la région, en métropole ou dans les colonies. Le Secours populaire se caractérise par une certaine ouverture politique, et il devient à ce moment-là une véritable organisation de masse, au sens organisationnel, puisque ses effectifs sont multipliés par 5, atteignant jusqu'à 180 000 adhérents revendiqués par le Secours populaire en 1938. «
En octobre 1936 est rendu public le projet Blum Violette, qui est donc le projet en matière coloniale du Front Populaire, Louise Violette étant alors ministre d'État. C'est le symbole de l'action, ou plutôt de la non-action du Front Populaire pour les colonies. En fait, c'est un projet qui est assez vague. Les réformes promises par le projet Blum-Violette sont timides. Le mot d'ordre d'indépendance est complètement abandonné, ce qui marque une rupture avec des organisations nationalistes telles que l'Étoile Nord-Africaine, qui était née pourtant au sein du PCF à Paris en 1926 parmi la population colonisée immigrée. En 1927, Messali Hadj devient le porte-parole de cette organisation, qui rompt d'ailleurs avec le PCF en 1928 et se prononce clairement pour l'indépendance de l'Algérie. En 1937, elle s'oppose au Front Populaire et sera dissoute. Messali Hadj reconstitue cette organisation sous le nom du Parti du Peuple Algérien. Les premières mesures d'amnistie qui sont mises en place par le gouvernement de Front Populaire quelques semaines après sa victoire vont dans le sens des revendications du Secours Rouge qu'il porte depuis sa création. D'ailleurs, le Secours Rouge, puis Secours Populaire, collabore dans les premiers temps avec le ministère de la Justice et le ministère des Colonies pour favoriser la libération d'un certain nombre de prisonniers politiques. Par exemple, le militant algérien Ben Ali Boukhor est libéré quelques semaines après la victoire du Front Populaire. Ben Ali Boukhor, qui deviendra par ailleurs secrétaire du Parti communiste algérien quelques mois plus tard. Mais très rapidement arrive le temps des désillusions, puisque les mesures d'amnistie qui ont été mises en place sont considérées comme très largement insuffisantes par le Secours Populaire, qui continue à revendiquer une amnistie totale pour les prisonniers, que ce soit en métropole ou dans les colonies. Par ailleurs, les promesses de changement et le souffle républicain qui était attendu finalement n'arrivent pas, comme l'illustre par exemple le maintien du code de l'indigénat dont le Secours Populaire revendique la suppression. Et le Secours Populaire dénonce également l'absence d'épuration dans la magistrature, dans la police et dans l'armée, qui continue de s'opposer aux politiques du Front Populaire et qui résiste au gouvernement alors en place. Ce qui entraîne un renouveau des persécutions politiques, comme l'illustrent d'ailleurs les poursuites judiciaires qui sont menées contre le Secours Populaire en Algérie à partir de 1938. Mais il faut souligner aussi l'apparition d'activités nouvelles du Secours Populaire en Algérie. C'est par exemple le soutien à l'enfance malheureuse, et plus particulièrement à l'enfance musulmane en Algérie. Mais c'est aussi le puissant mouvement de solidarité avec l'Espagne qui a lieu également en Algérie, puisque des centaines de militants partent comme volontaires rejoindre les brigades internationales. Les militants du Secours Populaire dans les villes et les villages algériens organisent également les souscriptions, les collectes de nourriture ou de vêtements. Et ils sont également à l'œuvre pour accueillir les réfugiés et les combattants espagnols qui arrivent en Algérie, qui seront d'ailleurs parqués dans des camps, ce qui entraîne également des campagnes du Secours Populaire pour dénoncer les conditions d'internement de ces Espagnols et tenter de leur apporter un petit peu de réconfort dans les camps lorsque ces militants sont autorisés à y pénétrer. La délégation conduite par Maurice Thorez, secrétaire général du parti, comprenait les camarades Henri Lozeray, député vice-président de la commission des colonies, Eli Mignot, secrétaire du Parti communiste d'Algérie, et Laurent Casanova. Sur le quai, Kadour Belkaïm, secrétaire du Parti communiste d'Algérie, et Nicolas Zanetaxi, conseiller général, secrétaire de la région oranaise du parti, attendaient au milieu d'une foule de travailleurs Maurice Thorez et ses compagnons de voyage. Quelques vues du meeting. N'est-ce pas là le symbole vivant de cette nation algérienne en voie de formation qu'a évoqué Maurice Thorez? En janvier 1939, Maurice Thorez effectue un voyage en Algérie. Donc déjà, si ce voyage montre que l'autonomie du PCA, elle est quand même relative, c'est également pendant ce voyage qu'il parle de la nation algérienne en formation. Cette notion, elle va résolument à l'encontre de ce que déclarait Ferrat en 1935. Elle dit que l'Algérie n'est pas une nation dont le développement est empêché par l'oppression capitaliste et impérialiste, mais que la population française participe à la formation de la nation algérienne. L'idée, c'est bien de s'unir autour de la République française et ce sera le mot d'ordre que portera le PC en Algérie pendant encore plusieurs années.
parti communiste en Algérie, malgré son recul sur la question nationaliste au moment du Front populaire, reste quand même un espace politique qui a réussi à réunir la population dite indigène et la population européenne. C'est également la première organisation politique qui a revendiqué le mot d'ordre d'indépendance et qui donc a imposé cette idée dans l'espace politique. Malgré tout, ça n'a pas été sans difficulté puisque, on l'a vu, c'est une idée qui était complètement inédite à l'époque et il a été très difficile d'organiser, de politiser la population algérienne en Algérie, ne serait-ce qu'à cause de la répression qu'on a déjà évoquée au moment de la guerre du Rif. La répression a été très forte, surtout vis-à-vis de la population algérienne. Il est aujourd'hui possible de faire une histoire renouvelée de cette période et de ces événements grâce à l'accès à de nouvelles sources. Alors bien entendu, il est toujours important de confronter les sources et ces sources sont aujourd'hui variées pour faire cette histoire. Nous avons les archives de la surveillance policière, très importante, mais nous avons également désormais un accès aux archives de ces organisations, des organisations politiques qui mènent le combat en Espagne ou qui sont en activité en Algérie, que ce soit le Parti communiste ou ses organisations auxiliaires comme le Secours Rouge et le Secours Populaire. Ces archives qui se trouvent pour l'essentiel dans les fonds de l'Internationale communiste à Moscou sont désormais accessibles grâce à la mise en ligne, à la numérisation et à la mise en ligne d'une partie de ces fonds. Par exemple, je pense à tout le travail qui a été fait par le projet Paprika porté par la Maison des sciences de l'homme de Dijon, qui permet d'accéder librement à l'ensemble de ces documents numérisés sur un portail numérique. Thank you.